Salut, salut, salut la famille, salut, salut à vous. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Salut, salut. Il y a un grand film là qui est en train de se passer actuellement entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Donc, je vais essayer de décrypter ça pour vous. Samsoya. Tu vas te faire dévoré par les crocodiles. Je t'avais pourtant prévenu. Je savais comment ça allait finir. Le futur prisonnier. Samuel Eto'o, c'est un futur prisonnier. Hein. Comme je vous dis là. Quand on dit aux gens que la dictature n'a pas d'amis. Eh oui. Mettez les cœurs. Merci beaucoup pour la personne qui est en train de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs sur TikTok là. Mettez les cœurs. Je viens de lancer aussi le live sur Facebook. On va faire un petit décryptage. C'est grave ce qui se passe actuellement entre l'Afrikafoot, le ministère des Sports, dont l'État du Cameroun. Les gens m'amusent. Donc en fait, les gens n'ont pas encore compris que ministère des Sports est égal à État du Cameroun. Ils n'ont pas encore compris ça. Et pour ceux qui me suivent ici depuis, à l'époque, quand Samuel avait l'intention de se présenter à l'Afrikafoot, en l'état actuel des choses, malgré le fait qu'il avait soutenu Biya et que Biya lui avait promis l'Afrikafoot, parce que c'était ça le deal, tu me soutiens publiquement et je te donne l'Afrikafoot. Comme ça, là, ton concurrent à l'Afrikafoot, Seydou Bombondjoya, je vais l'envoyer au Sénat. Vous voyez un peu le genre. Donc, c'était ça le deal. Samuel Eto'o a accepté le deal et il a soutenu ouvertement Popol en 2018. La vidéo est encore là, je n'invente rien. Donc, nous, au départ, on ne savait pas que c'était ça un deal. On se disait que, mais le gars, si, c'est quoi? Pourquoi il se lève un matin, il va faire la campagne? Il a fait la campagne de Popol. Et donc, quand il a les intentions, n'est-ce pas, de se présenter à l'Afrikafoot, quelqu'un de son entourage me souffle ça. Quelqu'un de son entourage me souffle ça. Je fais donc une vidéo par anticipation. Je lui dis qu'il va se faire bouffer. Je lui dis que la dictature n'a pas d'amis. Je lui dis que si tu essayes ce que tu es en train de vouloir faire là, Samuel, tu vas te faire bouffer. Et quand tu vas te faire bouffer, aucun Camerounais ne va lever le petit doigt. Ne vois pas les petits soutiens stériles que les gens ont sur Internet et consorts là. En réalité, c'est la famine qui les fait te soutenir en espérant qu'un jour, quand ils vont te voir, ils vont dire, je suis ton grand soutien, tu vas leur donner 5 000. Samuel, n'essaye pas d'aller à l'Afrikafoot en l'état actuel des choses, quelles que soient tes intentions. Grand bandit qu'il est, le gars a décidé quand même d'y aller. Il se disait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire à l'Afrikafoot. Je sais, parce qu'il a trop de problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, et on vous a déjà prouvé ça à maintes reprises, Eto'o a trop de problèmes en Europe. Le fisc le poursuit partout, en Espagne, en Italie. Il a des problèmes à résoudre à plus de 20 millions d'euros. Plus de 20 millions d'euros de fraude fiscale. Donc, il a beaucoup de soucis d'argent. Vous ne le savez peut-être pas. Et donc, il a vu une manne financière à l'Afrikafoot et il voulait jouer de sa popularité pour aller se remplir les poches le plus rapidement possible à l'Afrikafoot. Sauf que ce qu'il a oublié, c'est que lorsque tu dînes sur la table du diable, et que la nourriture finit, que le diable a encore faim, tu vas lui servir de dessert. C'est comme ça que ça marche. Bonsoir Victoria, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Maman Nakamela, bonsoir à toi. Je l'avais prévenu. Ces gens l'ont utilisé pour aller au nord-ouest, au sud-ouest, se balader et dire que tout est calme là-bas. Pourtant, il y avait la guerre. Pourtant, la guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Tout ça parce que le gars estimait que non, il faut absolument qu'il ait le soutien indéfectible de Popol.
la famille de Popol. Comme ça, quand il va faire ses bévues à la FECAFOOT, il va s'en sortir naturellement, doucement. Ça, c'est mal connaître le grand-père Sardina. Parce que le grand-père Sardina, lui, t'utilise pour ses intérêts. Et d'ailleurs, le même Samuel Eto'o vous a dit que le football au Cameroun appartient à Popol. C'est Popol qui prend toutes les grandes décisions concernant la gestion de l'équipe nationale de football au Cameroun. Il vous a dit ça même dans l'interview à France 24. Il vous a dit ça dans l'interview à Canal 2 International. Il vous a dit ça. Hein? C'était à Canal 2 ou bien c'était face à Rodrigue Tongue, je ne sais plus trop. Mais il vous a dit ça. Il vous a dit ça. Que les grandes décisions en ce qui concerne, en fait, l'équipe nationale de football, les décisions, toutes les décisions viennent de la présidence de Popol. Que c'est lui le grand patron. Il vous a dit ça. Le gars, dès qu'il est arrivé à la FECAFOOT, il a commencé à faire les trucs comme faire des faux contrats avec un faux équipementier qui n'existe nulle part. En fait, c'était lui-même, n'est-ce pas, qui passait derrière un prête-nom pour floquer les maillots des Lions Indomptables, vendre et empocher l'argent avec ses amis. Il croyait que les gens-là ne savent pas, ils savent. Et retenez bien cette date. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril. Vous allez voir, ils vont ressortir ça sur la table. Maintenant que c'est un peu chaud entre eux, que c'est gâté, ils vont sortir le problème du faux contrat de One All Sport. Ils vont lui demander des comptes sur le contrat de l'équipementier de l'équipe nationale. Ouais, ils vont lui demander. Donc, avant d'arriver là, je vous explique encore bien. Donc, quand le gars est arrivé, il n'a pas écouté. Hein, parce que vous savez, quand vous appréciez quelqu'un, dites-lui la vérité. Et nous, les Africains, on a ce problème-là, c'est que quand on estime que quelqu'un a un peu d'argent, c'est que la personne devient un envoyé de Dieu sur terre. On ne doit plus lui parler. Tout ce qu'il fait est bon. C'est un Dieu. On ne doit plus lui parler parce qu'on pense que le gars a un peu d'argent. Parce que la valeur intrinsèque en Afrique se limite à avoir de l'argent. C'est tout. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, tout le monde te donne la chaise en or. Par contre, celui qui a des idées, qui est capable d'apporter quelque chose de concret, on le minimise, on le rejette, parce qu'on estime que, comme il n'a pas d'argent, tout ce qu'il a dit ne sert à rien. Bonsoir à tous. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Or, lorsqu'on veut regarder dans la globalité, on comprend que entre ceux que nous avons appelés aujourd'hui les églisiens, c'est-à-dire ceux qui disent « Eto'o sauve et guérit », et nous là, c'est nous qui aimons Eto'o plus qu'eux. Parce qu'ils sont dans un fanatisme aveugle. Parce qu'ils ont compris que Samuel Eto'o a joué et il a touché les millions d'euros. Donc du coup, il devient quelqu'un d'indéboulonnable. Sauf que dans une société normale, quelqu'un qui a passé sa vie à courir derrière un ballon n'apportera jamais rien de concret. À part peut-être des cas exceptionnels, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on considère dans une société qui veut se développer. Ce n'est pas quelqu'un qu'on considère à ce niveau dans une société qui veut se développer. En France, Mbappé joue au football, ça s'arrête là. Si un jour Mbappé veut devenir coach ou bien il veut devenir président de la FECAFOOT, il va passer par les canaux normaux. C'est comme ça que ça marche. Et s'il arrive là-bas, il commet une faute, on va le débarquer comme un malpropre. Les gens ne vont pas venir prendre pour argument que « Hey, c'est Mbappé, il a marqué les buts pour l'équipe nationale de France. Mbappé touchait beaucoup de millions d'euros. C'est Mbappé que vous parlez comme ça, c'est une icône nationale. » Non, c'est la distraction. Le football, c'est avant tout un jeu. Et donc, la distraction. Et ce qui donne de l'argent au football, ce sont les bookmakers, ce sont des paris sportifs. Et donc, une société ne peut pas, n'est-ce pas, se concentrer sur des gens qui jouent pour des parieurs sportifs. Et dire que non, on veut se développer. C'est impossible. Quand vous considérez plus ces personnes, il y a des très grands ingénieurs en Afrique qui ont besoin de soutien, mais on ne les voit jamais. Tout leur argent finit toujours soit dans les fesses des femmes, soit dans l'alcool. Regardez les Daniel Alves aujourd'hui. Regardez Ronaldinho. Ils ont touché de l'argent. Ronaldinho en a touché. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Là, tout son argent est fini dans l'alcool, les fêtes, les fesses. C'est fini. Ludovic, Julie, pareil. Ils sont nombreux, des milliers de footballeurs qui sont zéro aujourd'hui. Pourtant, ayant touché des millions et des millions d'euros. Normalement, qui devaient les mettre à l'abri du besoin pour le restant de leur vie. Sauf que non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ce n'est pas comme ça. Parfois, l'argent que vous entendez là, c'est juste pour surenchérir.
Et qu'à la fin, le footballeur, ce qu'il touche, c'est rien. Mais vous entendez seulement les gros chiffres qui pleuvent à gauche, les gros chiffres qui pleuvent à droite. Vous ne vous posez jamais la question de savoir, mais comment quelqu'un qui a eu dans sa vie à toucher 50 millions d'euros se retrouve pauvre, jusqu'il n'a même plus 5 francs. Le cas de Ronaldinho devrait vous faire vous poser des questions. Regardez Zinedine Zidane aujourd'hui. Zinedine Zidane, lui, il se bat. Alors que c'est quelqu'un qui a touché beaucoup d'argent dans le football. Il se bat. Il ne se fait pas voir. Il se cherche. Il essaye d'aller entraîner les équipes, faire des trucs. Il se cherche. Pourtant, c'est quelqu'un qui a touché énormément d'argent dans le football. Sachez que le football n'est qu'un jeu. Donc, revenons maintenant à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a décidé d'aller jouer dans la mare avec les crocodiles. Et ce n'est pas comme si je ne l'avais pas... En fait, je l'avais prédit. Je l'avais prédit tout ce qui est en train d'arriver là. Je l'avais prédit. Il y a une vidéo là sur ma page Facebook qui a fait plus de 2 millions de vues où j'expliquais à Samuel Eto'o qu'il va se faire bouffer par les crocodiles si jamais il essaye d'aller à la FECAFOOT. Je disais encore que Eto'o, si tu veux aider le football camerounais, les gens estiment que tu as de l'argent. Ça veut dire que tu peux construire un club de football comme Kadi. Tu construis un club, tu formes des jeunes joueurs. Tu donnes la chance à des nouveaux jeunes joueurs, n'est-ce pas, d'émerger dans le football. À ce moment-là, tu pourras mieux aider le football. En l'état actuel des choses, au Cameroun, si tu vas à la FECAFOOT, tu vas te faire bouffer. Je l'ai dit. J'ai prévenu à ce gars. Je lui ai dit qu'il est bête. Dans ma deuxième vidéo, et la deuxième vidéo a fait près de 500 000 vues encore sur Facebook. Et lui-même, il a vu cette vidéo et il a envoyé quelqu'un me contacter pour me demander que, mais qu'est-ce que je lui veux? J'ai dit que je ne lui veux rien. C'est juste que s'il s'engage là où il veut s'engager là, ça va aller mal pour lui. Il a reçu le message, mais il est quand même allé. Je lui ai dit qu'il n'y a pas, que s'il y avait un diplôme de la bêtise, on devait lui accorder ça parce que c'est de la bêtise. Quand vous regardez le fonctionnement du régime de Popol, vous pensez un seul instant que vous pouvez blaguer avec leurs intérêts? Que vous pouvez vous amuser avec leurs intérêts? Les gars ont tout misé sur le football parce qu'ils savent que le peuple camerounais ne vit que par la distraction. Et le football est le summum de la distraction au Cameroun. Et donc, tant que les Lions Indomptables gagnent, Popol est tranquille. Et donc, Samuel Eto'o a dit à Popol, ne t'inquiète pas, je vais les faire gagner, je vais redonner au football toute sa grandeur. Popol a dit, mais bon, voilà, le petit, si quand même, c'est un bon petit manipulable, il n'a rien dans la tête, donc je peux facilement le manipuler. Donc, je vais lui donner la FECAFOOT, et puis je vais envoyer Seydou Bombo Ndioya au Sénat. Je vais lui donner la FECAFOOT. S'il peut venir, n'est-ce pas, nous apporter du sang neuf dans le football, ce sera une bonne chose. Comme ça, ça va faire en sorte que si les Lions Indomptables brillent à nouveau, moi, ça va me permettre de me maintenir au pouvoir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet important, vous allez voir les problèmes de football sortir. Et quand les problèmes de football sortent, c'est ça qui fait le buzz. On ne parle plus de rien au Cameroun. On ne parle plus de rien. Ce n'est que le football. Et même lui-même, Eto'o, il vous a dit que le président de la République est attaché au football camerounais, que c'est lui le grand patron, c'est lui qui prend toutes les décisions. Il vous a dit ça dans une interview, c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Et c'est vrai, parce que l'intérêt politique qu'il y a derrière le football, surtout au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il croyait qu'il allait arriver à la FECAFOOT, il allait profiter, se remplir les poches, et tout allait bien se passer. Ça, c'est mal connaître le régime de Popol, hein. C'est très mal les connaître. Voilà donc qu'il arrive à la FECAFOOT. Il commet une première erreur. Il chasse le coq sportif. Popol plie le doigt. Parce que le coq sportif que vous voyez là, ce sont des gens qui ont les bras longs. Hein. Il chasse le coq sportif sans aucune autre forme de procès. Il endette l'État du Cameroun et la FECAFOOT. Popol plie le doigt et dit, celui-là, il arrive bien, hein, il arrive vite. Ok. Dans le coq sportif là, il y a beaucoup de ministres là-bas là, qui mangeaient leur part. Donc le gars est d'abord arrivé, il dit au corps sportif que pas, moi-même je veux manger aussi ma part. Ha! Ok. Dans le contrat de Concessao,
Le ministère des Sports, la présidence, les gars chopaient pour eux. Parce que quand vous entendez qu'on paye un entraîneur à 80 millions, vous croyez qu'on lui verse tout l'argent là? Non, c'est le business. Et toi arrive, il voit ça, il dit que ok, vous ne mangez plus, moi je vais maintenant manger ma part. Donc au lieu de signer maintenant un contrat avec un bon équipementier, première erreur, le gars s'en va lui-même préfabriquer un équipementier qu'il a appelé One All Sport. Il vient avec un pseudo contrat faramineux de 4 milliards avec un bus. Et eux, c'est quoi? Tout genre de promesses pour qu'on accepte l'équipementier qui n'existait pas. Parce que c'est au moment où Eto'o a annoncé, que la FECAFOOT a annoncé le contrat avec One All Sport, qu'il y a eu la création de la page Facebook de One All Sport, il y a eu la création du site internet de One All Sport. C'était des trucs fictifs. Donc, un prêtre, non. Parce qu'en réalité, c'est Samuel Eto'o qui était derrière l'affaire de One All Sport pour floquer les maillots des Lions et vendre. Je suis sorti ici, j'ai dit à Eto'o que tu es bête. Tu sais pourquoi? Parce que tu pouvais très bien, n'est-ce pas, prendre une société camerounaise, n'est-ce pas, et nationaliser les maillots du football camerounais, floquer, vendre, pour faire profiter, même à l'État du Cameroun, des bénéfices. Mais non, toi tu es venu, tu veux manger seul. Ça c'est dangereux. Fais gaffe, parce que ce que tu es en train de faire là va retomber sur toi. Tu promets 4 milliards par an. One All Sport promet 4 milliards. Et vous commencez à porter les maillots de One All Sport alors que One All Sport n'a jamais versé 5 francs. Ça veut dire que vous faites la publicité à crédit. L'équipe nationale du Cameroun porte les maillots d'un équipementier fictif qui n'a jamais versé 5 francs. Ça veut dire que vous faites la publicité. Ensuite, c'est encore vous qui vendez les maillots de One All Sport avant que One All Sport vienne vous donner un peu d'argent. Vous avez déjà entendu ça où? C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir, il dit qu'il veut habiller l'équipe nationale. Tu dis ok. Il dit que avant d'habiller l'équipe nationale, vous allez d'abord porter mes maillots. Vous allez jouer. Vous allez vendre les maillots avant que je ne vous paye 5 francs. Vous avez déjà entendu ça où? Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec One All Sport à la FECAFOOT. Si bien que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu 5 francs de l'équipe de One All Sport. Pourtant, One All Sport, le nom One All Sport est parti à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que One All Sport a versé à l'équipe nationale du Cameroun pour aller à la Coupe du Monde? Rien. C'est l'État du Cameroun qui a sorti l'argent dans les caisses du contribuable pour accompagner l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Pourtant, c'est ce que l'équipementier fait. Parce que quand l'équipe nationale porte le nom, le maillot d'un équipementier, il fait la publicité. Et ça, on paye avant. Les gens du gouvernement de Bialega le regardaient. Ils disaient que, oh, non, c'est bien. Parce que vous savez, quand les gens comme ça là veulent vous tenir, ils attendent que vous commettiez des erreurs préjudiciables. Ils savent qu'ils vont mettre ça dans le tiroir et vous attendre au tournant. Ils ont commencé à dire, ah, donc tu nous coupes comme ça là et c'est toi, tu veux manger seul. Parce que le problème, c'est que le gars voulait chop tout seul. En comptant sur sa super puissance, qu'il est le Dieu tout puissant et tout. Rien ne peut lui arriver au Cameroun. Les gars là se sont assis, ils ont dit, ah là 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 là, ça c'est bien. One All Sport, depuis que One All Sport est là, One All Sport n'a jamais versé 5 francs. Jusqu'aujourd'hui, One All Sport n'a jamais versé 5 francs. Bernard Tutan passe sur la télé, il parle de 4 milliards. Ernest Obama passe sur un plateau de télévision, il parle où c'est de 2 milliards. Samuel Eto'o lui-même vient, il dit que c'est le contrat le plus lucratif. Donc finalement, on ne connaît pas quels sont les vrais chiffres. Après, quand les questions commencent un peu, excusez-moi, One All Sport part à la Coupe du Monde. One All Sport joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. One All Sport part à la Coupe d'Afrique. On ne voit pas le bus que One All Sport a promis. On ne voit pas l'argent que One All Sport a promis. Mais on ne fait que vendre les maillots de One All Sport depuis. On ne fait que vendre les maillots de One All Sport et on ne voit aucun argent promis par One All Sport. Parce que pour éliminer les autres équipementiers qui voulaient habiller les Lions Indomptables, les Adidas et consorts, Eto'o a dit que le contrat de One All Sport, c'est le contrat le plus lucratif jamais vu dans une équipe nationale en Afrique.
Les gens, n'est-ce pas, les églisiens ont dit oui, on a bien dit que et au peu, nous là, comme nous sommes les investigateurs, nous là, on cherche, on connaît chercher. Le gars là où c'est David Mendelssohn qui est le soi-disant président propriétaire de Warner Sport, avec un faux CV sur LinkedIn, il dit qu'il a fréquenté dans une école ici en Angleterre. J'ai appelé en direct l'école là en Angleterre, on dit qu'on ne le connaît pas. David Mendelssohn n'apparaît nulle part en Angleterre, il n'a jamais existé. Ensuite, ils sont partis donc prendre son complice là pour venir au Cameroun. Vous voyez même comment le gars était habillé, vous comprenez que c'est un ancien clochard. Ils sont venus avec lui au Cameroun, ils ont fait. Ensuite, il est parti, vous ne l'avez plus jamais vu, ni entendu parler de lui. En fait, c'était pour valider le fait. On appelle ça dans le domaine du fait, le exé. S'il y a les faits-man qui suivent ici, ils vont connaître de quoi je parle. Le exé, on appelle ça le exé. Les gars vous ont tapé le ex et vous avez bu. Mouais. Et ce que je vous dis encore, Eto, quand il est arrivé à la FECAFOOT, le gouvernement a mis des gens autour de lui à la FECAFOOT pour avoir l'œil. Ernest Obama, que vous voyez là, Ernest Obama, je ne dis plus rien. Ce n'est pas moi qui dis oh. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Eto de s'entourer de Ernest Obama. Oh oh! Voilà. Ernest Obama. Retenez bien. Ernest Obama. Voilà. Donc, le gouvernement est au courant de tous tes faits et gestes. Parce qu'ils ont mis des gens là pour te suivre. Donc, même ton contrat de Warner Sport, ton faux contrat de Warner Sport là, ça va ressortir bientôt. Parce que les gens là vont t'envoyer en prison. Hein. Eto, je te dis. C'est comme ça que ça a commencé. Ils vont t'envoyer en prison. Et donc, Eto arrive donc, il commence avec le faux. Il prend l'argent à l'État du Cameroun. Il prend l'argent partout. Il prend l'argent, il dit qu'il investit dans les Lions Indomptables. On peut dépenser des milliards à la Coupe du Monde et on ne... On peut dépenser des milliards à la Coupe du Monde et on ne... On ne passe même pas le premier tour. Popol plie encore le deuxième doigt et dit En tout cas, quand il dit Popo, il parle des Ngongo, il parle, c'est eux là-bas maintenant. Parce que Popo est tellement vieux. C'est les Ngongo, c'est leur affaire. Plie. Les gars maintenant reviennent encore, ils disent non, ils font tout genre de promesses. Il fait. Le gars part, il fait encore les promesses. Il part en Coupe d'Afrique. Arrivé en Coupe d'Afrique, débâcle. C'est là où les gars disent que ok, ici là, les Camerounais sont déjà très énervés. Les Camerounais sont déjà très fâchés. Et le régime risque de tomber. Parce que si le football dégringole comme ça, là, nous-mêmes, on va dégringoler avec. Parce que les Camerounais adorent tellement le football. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gars rentrent de la Coupe d'Afrique, non? Le gouvernement décide donc de ne plus renouveler le contrat de son. C'est d'abord par là que les gars commencent. Renouveler, on ne renouvelle plus le contrat de son. On commence à demander à Eto de rendre compte sur l'argent que l'État du Cameroun lui a donné. On lui demande de rendre compte sur l'argent que l'État du Cameroun a donné pour la gestion, n'est-ce pas, des équipes nationales pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et consorts. Le gars est parti sortir une fiche de dépenses comme ça là, où on voit que les gars ont dépensé tellement de milliards, même seulement pour loger les gens dans les hôtels. Le gouvernement dit, hé, mon frère, donc c'est comme ça là que tu allais faire. Les gars décident que, ok, puisque son n'apporte pas de résultat, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va remplacer son, on va mettre une autre personne. Eto commence à tourner parce que dans le contrat de son, Eto avait au moins la moitié. J'ai dit au moins la moitié dans le salaire de son. Il avait au moins la moitié. Le gars commence à tourner, il tourne. C'est le ministère des Sports qui a refusé de renouveler le contrat de son parce que c'est le ministère des Sports, n'est-ce pas là, qui a validé le contrat de son. Sachez-le. Le gars réfléchit, dit qu'ok, il va aller chercher d'autres entraîneurs. Et comme ça, là, dans le contrat de ces entraîneurs-là, il va encore avoir son gombo. Après le gombo de Warner Sport, après le gombo sur le détournement de l'argent des Lions que le gouvernement a donné pour accompagner les Lions à aller en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique. Tout ça, ça ne suffit pas. Eto est friand d'argent. Il a besoin d'argent. Les gens m'amusent ici. Je fais une petite parenthèse. Vous m'amusez. Le pater d'Eto est mort. Et Eto, le multimilliardaire, demande à tous les employés de la FECAFOOT de cotiser pour le deuil de son père. Comment est-ce que un grand milliardaire comme lui peut demander à la FECAFOOT, aux employés de la FECAFOOT de cotiser pour faire le deuil de son père?
Comment c'est possible? Dites-moi. Dites-moi. Voilà. Donc, Samuel Eto'o, donc, entre-temps, il y a des petits tiraillements entre Eto'o et le ministère des Sports et Consorts, parce que Eto'o, lui, veut imposer, n'est-ce pas, des nouveaux entraîneurs. Le ministre des Sports, lui, là, parce que le ministre des Sports, c'est un juriste, un très grand juriste, un moelleux comme Bipé. Peut-être vous ne le connaissez pas. Il connaît le droit. Hein. C'est là où, premier débâcle, c'est que Eto'o s'assoit, il entend seulement qu'on a nommé, des nouveaux entraîneurs, des nouveaux encadreurs pour l'équipe nationale du Cameroun. On a nommé des nouveaux encadreurs. Voilà le communiqué. Le communiqué du 2 avril 2024. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique communique, faisant suite aux très hautes directives du président de la République. Retenez, faisant suite aux très hautes directives du président de la République. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à la fin de l'année 2003, Popol a dit qu'il va revoir la gestion du football parce qu'apparemment, ça ne va pas là-bas. Et il connaît l'intérêt que le peuple camerounais a avec le football. Et là, il entend, n'est-ce pas, donner des instructions fermes. Il a bien dit des instructions fermes au gouvernement et en particulier au ministère des Sports pour que des mesures soient prises afin de redorer, n'est-ce pas, le blason de l'équipe nationale du football. Et donc, voilà le communiqué du ministre des Sports, sans avoir dit quoi que ce soit à Eto'o. Hein, on nomme un encadrement technique à la tête de l'équipe nationale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Hein. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun. Et le gros des dépenses de l'équipe nationale est effectué par l'État du Cameroun et non par la FECAFOOT. Ça, c'est pour les petits nyama-nyama qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne comprennent absolument rien là. Donc, je vous lis le communiqué qui nomme les nouveaux encadreurs de l'équipe nationale. Communiqué Radio Presse, le ministre des Sports et de l'Éducation physique communique, deux points. Faisant suite aux très hautes directives du président de la République, retenez bien cette phrase-là, très hautes directives du président de la République et conformément à son haut accord. Donc, ça veut dire qu'avant de prendre cette décision, ils ont demandé l'autorisation à Pombia et Pombia a dit valider. Donc, avant de nommer le nouvel entraîneur, ils ont demandé à Popol. Popol a dit valider. C'est ce que le communiqué s'y dit. Et n'oubliez pas que le ministre est le représentant du président. Attention. Le ministre, là, il parle au nom du président. Attention. Le ministre exécute les ordres du président. Attention. Attention. Il dit, il rappelle d'abord que faisant suite aux très hautes directives du président de la République et conformément à son haut accord, objet de la conférence numéro 71, bar patati patata, SGPE, nanani nanana, du 2 avril 2024, un nouveau staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale senior de football masculin, les Lions Indomptables, vient d'être constitué ainsi qu'il suit. Les gars nomment Marc Brice, entraîneur sélectionné. Ils nomment entraîneur adjoint Oman Biik. Pour ceux qui savent, Oman Biik, Oman François Biik et Samuel Eto'o, ce n'est pas le bon copinage. Il nomme encore M. Achou comme entraîneur adjoint numéro 2. M. Achou Cyprien Besson, entraîneur adjoint chargé des gardiens de but. M. Ali Mbouka, préparateur physique, manouvrier Christophe. Médecin, professeur Ngachou Jomo William, coordonnateur des sélections nationales, Banlock Benjamin. Coordonnateur des sélections nationales, Banlock Benjamin. Si vous vous rappelez, Benjamin Banlock, c'est celui que Eto'o voulait enfermer et le gars a fui pour aller s'exiler en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez le schéma? C'est-à-dire que tous les gens qui sont nommés là, ce sont les gens, n'est-ce pas, qui avaient osé s'opposer à la façon dont Eto'o gérait la FECAFOOT et Eto'o a voulu les faire taire. Et les voilà donc que le gouvernement camerounais nomme à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'il y avait un autre problème, pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'ingérence abusive de Eto'o
dans les décisions, n'est-ce pas, concernant l'équipe nationale de football, dans les décisions de l'entraîneur et du staff technique. Quand l'entraîneur choisit un joueur, Eto'o refuse, il met plutôt un autre joueur. Eto'o était devenu le coach. Ils sont au stade, il prend son téléphone, il appelle que mettez tel joueur, retirez tel joueur. Les gars sont en Côte d'Ivoire, les vidéos sont là. Les gars sont en Côte d'Ivoire, c'est Eto'o qui est entraîneur. Il dit comment on doit jouer, les tactiques de jeu et tout. Rigobert son, lui, il était seulement là comme ça, là. Il était là comme ça. Eto'o, c'est le pasteur. Les gars disent seulement amen. Donc, les gars nomment les Benjamin Banlock, coordonnateur adjoint Ben Hervé, team manager, M. Nunke Devi, team press manager, M. Germain Noël Essengue, et agent de liaison, M. Lobé Keller, Didier. Ok, n'est-ce pas, les gars ont publié, et c'est publié, c'est lu à la CIA TV, à la radio et à la télévision nationale. Oui. Ok. La FECAFOOT riposte. Samuel Eto'o lui-même, il signe. Donc lui-même, d'habitude, c'est que non, machin, président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o lui-même signe le communiqué de la riposte. Il dit, la Fédération camerounaise de football a appris au même moment que l'ensemble des Camerounais la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. Donc il vous dit que lui-même, il apprend comme vous qu'on a nommé les gens. C'est étrange, non? La FECAFOOT marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Je me demande bien qui conseille Samuel Eto'o. Parce que là, il est totalement wrong. On continue. Cette décision prise de manière unilatérale. Il dit que cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la FECAFOOT a accepté de suivre les instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers lions indomptables. La FECAFOOT entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend réserver. Et après cela, Samuel Eto'o lui-même a communiqué pour dire que lui-là, il n'entend pas respecter. Il dit qu'il n'entend pas respecter cette décision. Il dit qu'il n'entend pas respecter cette décision. Lui-même, Samuel Eto'o, il a communiqué. Il dit qu'il n'entend pas respecter cette décision-là. Lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je trouve vite. Rapidement, donc, la riposte de Moelle Combi, après que Samuel Eto'o ait dit qu'il ne respecte pas cette décision-là, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que Moelle Combi maintenant revient avec les arguments de droit. Moelle Combi revient avec les arguments de droit en disant que mon cher Samuel Eto'o, vraiment... Attendez, ah ouais, voilà. C'est un peu flou, donc je vais essayer de lire comme je peux. Donc, Samuel Eto'o a signé un communiqué où il a dit clairement qu'il n'entend pas respecter cette décision du ministère des Sports de mettre à la disposition de l'équipe nationale de football un encadrement technique sans son accord. Sauf que normalement, le ministère des Sports n'a pas besoin de son accord. Le ministère des Sports n'a pas besoin de l'accord du président de la FECAFOOT pour mettre à la disposition de l'équipe nationale un encadrement technique et un coach. Parce qu'à la base, c'est l'État du Cameroun qui paye tous ces gens. Eh oui. Et donc, le ministère des Sports maintenant revient, après que Samuel Eto'o ait fait son communiqué, je ne sais pas où j'ai mis son communiqué là, mais je vais vous publier ça. Le ministère des Sports revient et dit « J'accuse réception de votre correspondance d'objets et de références susvisées par laquelle vous vous opposez à la mise en œuvre de la décision bénéficiant du très haut accord de Monsieur le Président de la République. » Bang ! En plein dans le mille. C'est-à-dire que on est en train de dire à Eto'o ici là que « Donc tu t'opposes à la décision du Président de la République. » Tu t'opposes à la décision du président de la République. On lui rappelle ça d'abord.
On lui rappelle ça d'abord, que monsieur, tu t'opposes à la décision du président de la République. Donc, de la République relative tant à la désignation qu'à la contractualisation des membres du nouveau staff d'encadrement des Lions Indomptables. Point. Décision prise sur la base de l'article 9 de la convention MINCEF-FECAFOOT du 5 février 2015, donnant la peine et entière latitude à l'État de recruter et de mettre des encadreurs à la disposition de ses sélections nationales de football. Ce mécanisme de mise à disposition a, dans un passé récent, permis de recruter et la désignation, à titre d'exemple, des staffs conduits respectivement par M. Clarence Sidoff, Antonio Conceição et Rigobert Son. Donc le ministre des Sports rappelle d'abord à Samuel Eto'o ici que Clarence Sidoff, Antonio Conceição et Rigobert Son ont été mis à la disposition, n'est-ce pas, de la FECAFOOT pour encadrer l'équipe nationale de football. Là, il n'y avait pas de problème, c'est ça? N'est-ce pas? Voilà, c'est là, c'est écrit, c'est là. Pour ne citer que ces cas, sans que cela ait suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. Tentative d'obstruction. Dans les documents administratifs, tous les mots ont un sens. Dans les documents, pour ceux qui connaissent la valeur des documents administratifs, tous les mots ont un sens. Donc là, Eto'o peut être poursuivi par l'État du Cameroun pour tentative d'obstruction, donc la FECAFOOT en réalité. Et là, c'est Eto'o lui-même qui a communiqué le refus et il a signé en son nom. Donc, lui, il peut déjà être poursuivi par l'État du Cameroun pour tentative d'obstruction à une décision hautement prise par le chef d'État, Popol. On lui a rappelé ça. La décision bénéficie du très haut accord de Monsieur le Président de la République. On lui a rappelé ça. Et même dans le premier communiqué, on lui a aussi rappelé ça. Dans le premier communiqué que je vous ai lu là, on lui a rappelé ça, que faisant suite aux hautes instructions du président de la République. Deuxième paragraphe. Tout en attirant votre attention sur la nécessité de redorer le blason des Lions Indomptables et de les amener à écrire de nouvelles pages victorieuses et glorieuses, ceci dans la sérénité, la cohésion et l'harmonie. J'ai l'honneur de vous rappeler que, dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, oh là là, s'il vous plaît, sur Facebook, mettez les cœurs. Le direct va se couper. Les églisiens sont déjà en train de signaler. Mettez-nous les cœurs sur Facebook avant que je continue. Donc, j'étais de 10 ans. J'ai l'honneur de vous rappeler que dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, le président de la République, ça fait déjà la deuxième fois que les gars mentionnent le président de la République. Le président de la République a prescrit au gouvernement en général et au ministère en charge des sports, en particulier, virgule, la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates. Point. Ceci au regard des résultats relativement médiocres enregistrés par les Lions Indomptables depuis le premier trimestre 2022 et plus particulièrement avec la débâcle de notre équipe nationale à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On lui rappelle encore que c'est suite à tes multiples échecs que le président de la République a décidé de reformer. Mettez les cœurs sur Facebook, mettez aussi les cœurs sur TikTok s'il vous plaît. C'est un document administratif qui a été publié. Faites attention, les mots ont un sens dans l'administration. Maintenant, subséquemment, bon, je ne sais pas si Samuel Eto'o comprend ce qu'on appelle subséquemment, mais bon, ça va. Quand moi, les combes utilisent aussi les gros mots comme ça, là, moi, je ne sais pas s'il veut embrouiller Eto'o et son staff, parce que Eto'o n'est entouré que de médiocres, des communicants médiocres, des avocats médiocres. Subséquemment, au non-renouvellement en février dernier, des contrats des membres du précédent encadrement technique conduit par M. Rigobert Son,
Le processus de recrutement d'un nouveau staff d'encadrement de nos Lions Indomptables a été initié en cohérence avec les hautes orientations du chef de l'État. Ça fait 3 fois qu'on mentionne. Et 4 fois avec l'autre communiqué. Avec les hautes orientations du chef de l'État. Donc c'est pour dire à Eto que c'est le chef de l'État qui a demandé qu'on fasse ce que nous sommes en train de faire là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les hautes orientations du chef de l'État. Dans ce contexte, un groupe de travail ministériel constitué, autant pour moi, de personnalités à l'expérience avérée a été mis en place à l'effet d'enregistrer, d'analyser et d'évaluer méthodiquement et rationnellement l'ensemble des candidatures. Une 30aine de candidatures ont été reçues au MINCEP, parmi lesquelles 3 transmises en toute connaissance de cause et de la procédure par vos soins. Par vos soins, c'est-à-dire par Eto. À travers la lettre numéro du 12 mars 2024, toutes ces candidatures ont été examinées avec la transparence et l'objectivité sur la base d'une grille de notation et de critères d'évaluation rigoureusement définis. Ces critères intégraient, entre autres, le niveau de la qualification et de motivation, les performances, les habilitations connexes et complémentaires, la connaissance du football camerounais, la capacité à travailler en toute indépendance et prohibée, sans interférence extérieure. Pourquoi est-ce qu'on mentionne ça? Leur capacité à travailler en toute indépendance. En toute indépendance et sans interférence extérieure. Le cursus professionnel, les distinctions, l'expérience en tant qu'entraîneur, le groupe de travail était particulièrement attentif tant à la qualité du projet présenté par le candidat en vue du relèvement et de l'amélioration des performances des Lions Indomptables qu'à la soutenabilité des prétentions salariales et exigences autant pour moi financières des candidats. Le document ici là sur la page ici est tellement flou. À cet égard, il n'est pas sans intérêt de signaler que les 3 candidatures sous-signées par vos soins, par Samuel Eto, présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes. C'est-à-dire que les candidatures que Samuel Eto et la FECAFOOT ont proposées, n'est-ce pas, variant d'environ 1 milliard de francs CFA à 1,6 milliard de francs CFA de rémunération hors prime par an, soit respectivement en moyenne 82 millions à 132 millions de francs CFA par mois. Donc Samuel Eto propose des coachs qui vont coûter à l'État, par exemple l'État du Cameroun, qui vont coûter à l'État du Cameroun entre 82 millions de francs CFA par mois à 132 millions de francs CFA par mois. Les gars, vous-même sérieux. Vous-même sérieux. Vous-même. Et donc, ce qui représente des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions Indomptables. Donc, on lui rappelle que les sommes exorbitantes que tes candidats ont demandées là, on n'a jamais vu ça dans l'équipe, dans l'histoire de l'équipe nationale du football camerounais. Et donc, ça peut être un motif de refus. Ce qui représente des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions Indomptables. De plus, l'exigence formulée par vous relative à la mise à disposition des moyens financiers et logistiques 2 semaines avant la prise en fonction éventuelle des candidats présentés par la FECAFOOT. Mais Wanda Foudon, il demande, n'est-ce pas, il donne, il présente, il propose des coachs. Et ensuite, il demande à l'État du Cameroun de mettre l'argent à disposition avant même que les coachs ne commencent à travailler. Yemba, mon frère. Donc, rendait difficilement soutenable et réhibitoire, pour ne pas dire dissuasive, leurs prétentions salariales au vu de fortes contraintes budgétaires actuelles de l'État. Ceci, d'autant plus que tous les autres candidats avec des qualifications, merci mon amour, équivalentes, formulaient des demandes financières de loin modestes
et logiquement plus raisonnable et soutenable. Ma femme m'a apporté le mouchoir, merci. Je relis un peu la partie de l'agent. Ok, je relis la partie de l'agent. Que vous comprenez bien. Donc, il disait, il n'est pas sans intérêt de signaler que les trois candidatures soumises par vos soins présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes, variant d'environ 1 milliard, c'est-à-dire 1 500 000 euros, à 1,6 milliard de francs CFA, 2 500 000 euros de rémunération hors prime par an. Hors prime par an, c'est-à-dire que 1,6 milliard de francs CFA par an pour un seul entraîneur. Mais, alors que le SMIC au Cameroun, c'est 43 000. Et vous avez les Camerounais qui sont là, ils font le call box. L'autre est là dans la boue avec la moto tous les jours. L'autre est là sur la moto sous la pluie. L'autre est là, il porte le bois sur la tête. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive même pas à manger deux fois par jour. Il n'arrive même pas pour d'autres à manger le tapioca. Hein? Mais Samuel Eto'o, leur Dieu, celui que les gars soutiennent, demande qu'on paye un entraîneur, et ce sont des entraîneurs étrangers qu'il a proposé, hein. On paye un entraîneur à 132 millions de francs CFA par mois. Et vous allez me dire que le gars là se soucie du bien-être des Camerounais. Vous allez me dire que le gars se soucie du bien-être des Camerounais lambda. Quand il demande à l'État du Cameroun de sortir 132 millions de francs CFA pour payer un seul entraîneur. Parce que l'entraîneur là va sélectionner l'équipe nationale, on va aller jouer les compétitions. Parce que c'est l'État du Cameroun qui paye les entraîneurs. Hmm? Par mois, oui, patriote, par mois. Ce qui fait 1,6 milliard par an pour un entraîneur. Hormis les primes, hein, c'est-à-dire les primes viennent après. Et Eto'o demande encore à l'État du Cameroun de mettre cet argent à disposition en avance, avant même que les entraîneurs ne commencent à travailler. Les gars disent que Memba, ça devient quoi là? Après examen de l'ensemble des dossiers, une première liste de 8 candidats, les mieux notés, a été dégagée. Le groupe de travail a ensuite procédé à l'audition par visioconférence de 5 prétendants effectivement disponibles. Au terme de ces auditions, le classement final des 3 candidats correspondants, le mieux aux données qualificatives, et au profil recherché a été établi. Celui qui a publié ça même là, pourquoi c'est tellement flou comme ça? A été établi. Un processus de sélection rigoureux a été également conduit à l'identification des autres responsables potentiels de l'encadrement technique, administratif et médical. Comme de tradition, l'ensemble des shortlists a été soumis au haut arbitrage et à la sanction de la présidence de la République qui a dûment validé et approuvé la composition du nouveau staff technique, administratif et médical des Lions Indomptables proposé par le ministère de tutelle. Donc, les gars, vous, ils disent à Eto'o que ces gens-ci, c'est Popol qui les a choisis. Il a validé. Et c'est lui qui a demandé que les gars prennent la tête de l'équipe nationale. Et toi, tu viens dire que tu t'opposes à la décision du président de la République. C'est ce que ce document veut dire. Hein? Que Eto'o s'oppose aux décisions de Popol. J'ai pitié de lui, hein. J'ai pitié du Mbom là parce que le gars ne connaît pas Popol. Popol n'a pas d'amis. Hein. Quand tu vas à l'encontre des intérêts de Popol, il te met en prison. Popol a mis Charles Metouk en prison parce que Charles Metouk voulait construire la Sonara, une société de raffinerie qui va pouvoir raffiner le pétrole camerounais. Et donc la mafia autour du pétrole camerounais devait finir. Rien que pour ça, Popol a mis Charles Metouk en prison parce que Charles Metouk empiétait sur ses intérêts personnels. Charles Metouk voulait construire une société de raffinage du pétrole camerounais pour que ça profite au peuple camerounais. Popol l'a mis en prison. Que mon ami, toi tu viens mettre l'œil sur le pétrole du Cameroun en tant que qui? Si j'étais nommé à la Sonara, c'est pour protéger mes intérêts et non pour lutter contre mes intérêts. Il a foutu Charles Metouk en prison. Popol a foutu Mendoza en prison, c'est-à-dire parce que sa femme n'était pas contente. Mendoza,
Opol l'a foutu en prison parce que Ma Chantou n'était pas contente. Et toi, tu viens t'amuser avec les décisions de Popol. C'est-à-dire que même si on dit que c'est Ngongo qui fait tout ça, Ngongo, lui, dit qu'il agit au nom de Popol. Et toi, tu vas faire comment pour voir Popol si tu ne passes pas par son secrétaire? Ngongo vous rappelle que Popol lui a donné la lassitude de prendre toutes les décisions parce que Popol ne gère plus le pays. Donc, c'est Ma Chantou et Ngongo qui gèrent. Donc, il vous rappelle que c'est les hautes instructions du chef d'État. Donc, je continue. Donc, voilà. Avec Marc Brice, de nationalité belge, comme entraîneur-sélectionneur, les intéressés ont été mis à la disposition de l'équipe nationale masculine fanion de football conformément aux dispositions pertinentes de la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 février 2015, laquelle indique en son article 1. Parce que vous allez voir, le communiqué d'Eto, il dit juste que non, tel a dit que te maillot s'est monté, s'est descendu. Maintenant, le ministre des Sports, lui, il te donne donc maintenant alors. Le ministre des Sports, lui, il te donne maintenant les dispositions de l'article là. L'article là stipule que, article 9, alinéa 1er, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Quand on demande aux gens de s'entourer de vrais gens, tu arrives président de la FECAFOOT, tu prends les Ernest Obama, tu mets à côté de toi, tu prends les gens que même les brous fuient, tu mets autour de toi, tu penses que les gens là vont te conseiller comment? Voilà donc les dispositions, n'est-ce pas, de cet article de loi du 5 février 2015. En son article 9, alinéa 1er, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Mais Eto, dans son communiqué, vient dire que c'est plutôt avis obligatoire du président de la FECAFOOT. Il fait ça comment? Pourquoi il fait ça? Comment Eto peut tomber dans des petits pièges comme ça? Comment? Eto vient vous dire que non, que l'article s'y dit que non, qu'on doit nommer l'entraîneur après avis obligatoire du président de la FECAFOOT. Jusqu'à il y a un autre qui vient dire que si le président de la FECAFOOT ne signe pas, on n'aura pas d'entraîneur à la tête de l'équipe nationale. Et alors, je vous rappelle que l'État du Cameroun a le pouvoir de dissoudre la FECAFOOT et de mettre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un comité de normalisation. Donc l'État du Cameroun a le droit de chasser Eto et tous ces gens-là qui l'ont voté là, comme il dit là. Que j'ai un mandat électif des délégués. Mais c'est des délégués. Ça n'a rien à voir avec le peuple camerounais. Quand on parle de l'équipe nationale fanion du Cameroun, de football du Cameroun, c'est la propriété exclusive de l'État du Cameroun, mes chers. Ce n'est pas la propriété des présidents de club. Parce que les gens ont tendance à oublier. La fédération gère le football camerounais parce que la fédération, c'est comme une association des clubs. Les clubs de football là. Là, t'as dit, c'est des trucs privés, c'est une association de droit privé ou un truc comme ça. Donc, les clubs privés de football, là, tout ça, les affaires qui concernent le football des clubs au Cameroun, parce que les clubs, là, appartiennent aux privés, aux personnes privées, et donc, c'est financé par la CAF ou la FIFA pour entretenir les joueurs, les clubs et tout. Mais quand ça arrive maintenant, ce qu'on appelle la sélection nationale, ceux qui portent le drapeau vert ou jaune, la FECAFOOT n'a rien à dire. C'est par courtoisie, je dis bien c'est par courtoisie même, qu'on prend l'avis de la FECAFOOT.
Parce que la sélection nationale de football appartient exclusivement à l'État du Cameroun et non à la FECAFOOT. C'est la propriété exclusive et le nom Lion Indomptable du Cameroun est une marque déposée. C'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'État du Cameroun qui paye les entraîneurs de football de l'équipe nationale. Ce n'est pas pour rien que quand les Lions Indomptables vont à une compétition, l'État du Cameroun saigne des milliards pour les accompagner à cette compétition. Ce n'est pas pour rien. J'espère que les gens comprennent un peu. Et donc, voilà donc la disposition. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération Camerounaise de football après avis obligatoire. Le mot obligatoire, là, veut tout dire. Ça veut dire que le président de la Fédération Camerounaise de football peut trouver des entraîneurs, mais après avis obligatoire du ministre chargé des sports. J'espère que vous avez bien compris. Ou alors sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et qui dit État, dit le ministre de tutelle. Le ministre de tutelle, c'est le ministre de sport dans le cas échéant. Donc, l'État peut mettre à la disposition de l'équipe nationale un encadrement technique. Et c'est exactement ce que Moelle Combi a fait. On ne joue pas avec les dictateurs. Les dictateurs sont trop forts. Les gars, voilà comment les gars viennent de chicoter le connard avec les arguments de droit. Donc, ce que Moelle Combi vient de faire avec l'État du Cameroun, c'est qu'ils ont mis à la disposition de l'équipe nationale de football un encadrement technique, comme c'est dit dans l'article de loi. Ce n'est pas qu'ils ont inventé. Et les gars ont cité l'article là. Venez maintenant prouver le contraire. Quand tu joues avec le diable, il te maintient. Et après, quand il veut te manger, il te mange sans s'amuser. Et j'avais prévenu à Eto, ne joue pas à ce jeu avec ces gens. N'entre pas dans cette histoire, laisse-les. Attends que le Cameroun change, tu pourras prendre la FECAFOOT et construire si tu veux. Sauf que Eto lui-même avait des mauvaises intentions parce qu'il voulait rapidement se remplir les poches. Et voilà qu'il a touqué son pied. Mais oui, c'est ce que les gens-là ne savent pas, Éternel. Moelle Combi est l'un des meilleurs juristes du Cameroun. Hein. Moelle Combi, que vous voyez, ministre des Sports, là, je ne sais pas ce qu'il fout au ministère des Sports. C'est l'un des meilleurs juristes de formation au Cameroun. Hein. Donc, quand on parle des articles de loi, le droit, tout ça, là, ne testez pas Moelle Combi. Et voilà comment le gars est en train de chicoter Samuel Eto'o avec des arguments de droit. Les arguments de droit. Eto vient tromper ses amis en disant « Non, c'est l'État du Cameroun qui doit me demander mon avis avant de nommer des entraîneurs. » C'est faux. C'est la Fédération de Camerounaise de football peut trouver des entraîneurs, propose à l'État, si l'État valide, on signe. Si l'État ne valide pas, on ne signe pas. Par contre, l'État peut mettre à disposition de l'équipe nationale, pas de la fédération, de l'équipe à la disposition de l'équipe nationale de football, un staff technique. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Ben oui. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a que des intérêts. Et chaque Camerounais qui soutient la dictature de Popol, qu'il sache qu'il sera bouffé un jour ou l'autre. Que tu sois Samuel Eto'o, que tu sois un simple Bensikineur, c'est la même chose. C'est les sauces de la patate du même sillon pour eux. Quand tu vas déjà un peu contre leurs intérêts, les gars vont te broyer. Et là, ils ont rappelé à Eto'o 5 fois dans un seul communiqué que Eto'o est en train de s'opposer aux décisions de Popol. Oh, pardon, tapoter sur TikTok. Vous ne tapotez pas assez. On dirait que c'est un robot. TikTok dit que je suis un robot. Et il me demande d'arranger un truc là pour
Mettez les cœurs sur TikTok, oh là là. Mettez les cœurs. On a voulu couper sur Facebook tout à l'heure. Depuis que les gars mettent les cœurs sur Facebook, c'est reparti. Mais sur TikTok, les cœurs ne montent pas. Et du coup, TikTok me dit que je suis un robot, mon frère. Je ne suis pas un robot. Je suis en train de parler en direct, non? Ouais. Quand on dit aux gens, ne soutenez jamais une dictature. Vous êtes là, vous sortez, vous faites les trucs, oh machin, je soutiens papa Paul Biya, c'est mon père. Ferdinand Gongo, c'est mon grand frère. Maman Chantal Biya, c'est ma mère. C'est la mère, c'est mon père, c'est mon grand frère. Voilà donc la mère, le père, le grand frère là qui sont en train de te montrer le mamie Pi. Samuel, tu ne vas pas dire que moi je ne t'avais pas prévenu. Et je t'avais bien dit, tu sais très bien de quoi je parle, je t'avais bien dit que fais gaffe, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne peux pas être une viande et tu peux nager dans la mare avec les crocodiles. Sylviane Carole, ma mère, j'espère que tu vas bien. Et les bébés aussi. Bisous, bisous à vous là-bas. Donc, soulignons qu'en matière de désignation et recrutement et de prise en charge des encadrements des équipes nationales et compte tenu du mutisme à ce sujet du décret numéro 384 du 26 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football, le texte de référence le plus approprié, le cadre juridique opératoire et explicite est la convention MINCEF-FECAFOOT du 5 février 2015 avec son addictif du 4 mai 2016. Cet acte concerné, auréolé de la force obligatoire, voilà ça qu'on lui précise bien, de la force obligatoire de la loi des partis et bénéficiant tant du privilège de la... Ils ont écrit quoi? Je n'arrive pas à lire, ça c'est tellement flou. Ça c'est L-E-X. Voilà, de la lex postérieure. Lex postérieure, ça veut dire quoi les gars? Mettez-moi, moi l'autre aussi, ça me dépasse. Lex postérieure veut dire quoi? Mettez en commentaire. Quand je ne connais pas quelque chose, j'avoue. Et je ne peux pas bien lire si je ne comprends pas un thème. Pardon, mettez-moi en commentaire. Lex postérieure. Les gars, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Lex postérieure veut dire quoi, mon frère? Parce que si moi, je ne comprends pas, comment Eto va comprendre le thème sinon, mon frère? Bénéficiant tant du privilège de la lex postérieure. Moi, les combien fini une fois? Mais attends, Lucas, merci. Lucas dit que c'est la loi postérieure, mais il ne pouvait pas aussi écrire loi postérieure, mon frère. Ouais! Et vraiment de Dieu, c'est Adina. Bon, quand ils écrivent, maintenant ils veulent embrouiller et tout. Ils ne pouvaient pas aussi écrire loi postérieure, mon frère. L'autre, si ça m'a dépassé, j'avoue. Lex postérieure, de la lex postérieure. Et après, il a même mis encore l'autre devant. Hein. Donc, bénéficiant tant du privilège de la lex postérieure que de l'autorité de la lex spécialiste. Lex spécialiste veut dire encore quoi maintenant bas? Lex postérieure, la loi postérieure, ok. Lex spécialiste veut dire encore quoi? Pourquoi les gens si aiment nous embrouiller comme ça? Mais pourquoi ils font ça? Oh! C'est-à-dire que je ne comprends pas. Vous faites des communiqués pour que le peuple comprenne ou bien vous faites des communiqués pour que vous-même vous compreniez encore seul? Parce que là, je suis perdu. Et si je suis perdu, ce que Eto est noyé, je vous dis. Ça, c'est le haut niveau patriote, c'est le haut niveau man. Voilà, donc, voilà. En tout cas, comprenons ce qu'on comprend. Hein. Ce texte ne soumet pas la décision du gouvernement à une approbation préalable de la FECAFOOT. Comment est-ce que le gouvernement peut être soumis à l'approbation d'une fédération? Est-ce que quelqu'un s'entend même souvent parler? Eto vient vous dire dans son communiqué que les décisions du gouvernement doivent être soumises à l'approbation de la fédération. Et il y a des gens qui viennent, ils acceptent. Ils disent oui, vraiment, si Eto n'accepte pas, c'est que rien ne va fonctionner. On va voir ça. Ça ne va pas dans vos têtes là. Voilà ça que le ministre des Sports lui rappelle. Que ce texte ne soumet pas la décision du gouvernement à une approbation préalable de la FECAFOOT. Attention! Attention! C'est à ça que vous réduisez un gouvernement?
Donc, un gouvernement doit prendre une décision. Ils doivent d'abord attendre l'approbation d'une fédération qui est sous la tutelle d'un ministère. Mais, ça, c'est grave, les Camerounais. Aussi bien en vertu de l'alinéa 2 de l'article 9, l'État étant celui qui paye les membres de l'encadrement technique, il est tout à fait normal, comme cela a toujours été le cas, qu'il ait la latitude sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui signe l'acte juridique d'engagement de recruter, de désigner et d'affecter des encadreurs auprès des Lions Indomptables dont la gestion est concédée par le gouvernement à la FECAFOOT. Donc, c'est le gouvernement qui donne la gestion des Lions Indomptables à la FECAFOOT. Donc, c'est le gouvernement qui dit à la FECAFOOT que, ok, je mets à ta disposition les Lions Indomptables pour les gérer. Sinon, ce n'est pas des prérogatives de la FECAFOOT. C'est le gouvernement qui paye les Lions. C'est le gouvernement qui paye les entraîneurs et l'encadrement technique. Et vous dites que quelque chose qui appartient à l'État du Cameroun doit attendre la décision d'un farfelu à la tête d'une fédération. Quand on vous dit que le fanatisme rend fou, même dans le domaine de la logique, vous trouvez ça normal. Quand Neto voulait demander l'argent pour les Lions Indomptables lors de la Coupe du Monde, il se pliait en quatre. Et maintenant, il vient dire aux gens que je dois décider avant que l'équipe nationale n'ait un entraîneur. Toi qui? Tu es qui dans la sauce? L'équipe nationale de football appartient à l'État du Cameroun. Le nom, les Lions Indomptables du Cameroun, est une marque déposée. Et si on te confie la gestion de cette équipe nationale, c'est parce que tu es la Fédération Camerounaise de football. Étant donné que le ministère des Sports a plusieurs autres domaines de sport à gérer, il confie donc la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, de l'équipe nationale de football du Cameroun, à la Fédération en charge du football au Cameroun. Quoi de plus logique et de plus normal? Et donc maintenant, quand on arrive à une situation de conflit, le président de la FECAFOOT, de la Fédération Camerounaise de football, dit au ministre des Sports qu'il faut d'abord son approbation à lui, président de la Fédération Camerounaise de football, avant qu'une décision soit prise en ce qui concerne l'équipe nationale du football qui appartient en réalité à l'État du Cameroun. Mais moi, je vous dis que Eto'o va aller en prison. Parce que dans cette lettre-ci-là, il est mentionné à 5 reprises que Eto'o a publié un communiqué en s'opposant fermement aux décisions de Popol. C'est grave ça au Cameroun. Et je vous dis, quand les gens s'y vont arrêter Eto'o pour détournement de fonds, parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver parce qu'ils lui ont demandé un justificatif des dépenses. Et depuis, Eto'o tarde à donner le justificatif des dépenses. Quand les gars vont le mettre en prison pour détournement de fonds, j'espère que vous allez vous mobiliser parce que je soutiens ça. Hein. Sachant que si on arrête Eto'o, les Camerounais vont se mobiliser pour faire tomber le régime Biya. Hé, hey, mon frère, je suis qui? Changement va arriver. Même les désavantages deviennent tes avantages. Ouais, mon frère, je suis qui? Pardon, arrêtez-le. Comme ça, les Camerounais qui le soutiennent fortement, mordicus, et qui disent qu'ils vont tout casser au Cameroun si jamais on touche à Eto'o, ben ils vont tomber dans les rues. Et comme ça, là, on va faire d'une pierre deux coups. Mais dis donc. Mais depuis là, on attendait un sauveur. Donc, et c'est Eto'o notre sauveur. Eto'o, tu as raison. Les gens là ne peuvent rien te dire. C'est toi qui dois décider de qui doit être à la tête de l'équipe nationale, Eto'o. Ils ne peuvent rien te dire. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que même l'affaire de Warner Sport, le gouvernement a le droit de lui demander les comptes sur les contrats de Warner Sport qui habillent les équipes nationales du Cameroun. Hein? Utilisez vos têtes.
utilisez vos têtes. C'est dangereux. Quand nous tous on connaît la NAC là, c'est dangereux. Mais Pomba, c'est un violent. Pomba ne joue pas. Mais dites là-bas que Eto, je te soutiens. Pardon, soutenons Eto dans sa démarche de défiance à Pomba. Parce que Eto s'est mis dans une posture de défiance face à Pomba. C'est un grand homme. Eto, c'est un grand homme. On avait besoin d'un homme comme lui. Quelqu'un qui est capable de dire non à une décision de Pomba au Cameroun. Mon frère, le Messie, l'envoyé de Dieu, Samuel Eto. Oh, depuis on t'attendait, tu étais où? Mais tu étais où, mon frère? Le seul homme au Cameroun qui ose dire non à une décision de Pomba, de Popol, le propriétaire du Cameroun, toi, Samuel Eto, tu viens dire non. Non, mais les gars, soutenons Eto, parce que Eto est même notre leader final. C'est le leader final de la révolution, Eto. Mais ce n'est pas possible. Il était où depuis? Il était où depuis? Mais Samuel, mais tu es fort, hein, mon gars. Waouh! Je ne savais pas que c'est comme ça que tu pouvais faire. Eh bah, dis donc. C'est-à-dire que quelque chose qui appartient à l'État du Cameroun, toi, tu décides que rien ne va se passer sans ton approbation. Toi, petit président de la FECAFOOT, on te dit que c'est Popol qui a décidé que les entraîneurs, là, c'est eux qui vont prendre la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Toi, tu viens dire que tu n'approuves rien, que même si ça vient de la présidence, de la présidence du Cameroun, tu t'en fous. Toi, Eto, tu es fort. Ouais, mon frère. Reste dans ta posture. Reste dans ta posture, Samuel. Ah oui, j'ai dit que Samuel, je t'applaudis. Je ne savais pas que tu étais courageux comme ça. Mais. Donc, les gars disent quoi? On reprend. Hein? Il est tout à fait normal, comme cela a toujours été le cas, qu'il ait la latitude sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui signe l'acte juridique d'engagement, de recruter, de désigner et d'affecter des encadreurs auprès des Lions Indomptables dont la gestion est concédée par le gouvernement à la FECAFOOT. Une description doit en effet être faite entre l'autorité compétente en matière de recrutement des encadreurs et de leur prise en solde d'une part, et la structure chargée de leur gestion d'autre part. Donc, la Fédération camerounaise de football n'est qu'une structure chargée de la gestion de l'équipe nationale de football au Cameroun. Il y a beaucoup qui ne le savaient pas. Et c'est ce que nous, on se tue à vous dire ici tous les jours. Donc, au demeurant, et à quand, t'as dit quand une phrase commence déjà par au demeurant, non seulement ça donne de l'élégance à cette phrase-là, mais ça te perd aussi une fois. Parce que le gars finit, après il dit, au demeurant, je ne sais pas si Eto va comprendre le thème, si le langage ici. Ben, moi, il est combien en train de perdre Eto ici. Hein? Il dit, au demeurant, virgule, et il met la virgule, hein? Au demeurant, virgule. Ce n'est pas les torchons qui viennent de la FECAFOOT qu'on dit que ça c'est les communiqués, machin, patati patata. C'est, mon frère, au demeurant, le gars finit déjà, il te donne des injonctions, ensuite il te met en garde, il te rappelle ta faute, il finit, il ferme la phrase, il fait point à la ligne, il revient, il met au demeurant. Au demeurant, le choix et la désignation de l'ensemble de l'équipe d'encadrement a été fait dans une optique théologique et stratégique. Théologique et stratégique. Je vous ai bien dit que quand quelqu'un commence une phrase par au demeurant, c'est que le gars veut tout gâter. Au demeurant, le choix de la désignation de l'ensemble de l'équipe d'encadrement a été fait dans une optique théologique. Non, attends, ce n'est pas théologique. C'est téléologique. Téléologique. Téléologique, mon frère, Mouele Kombi, Agiou Tchakap, est stratégique avec
en toile de fond le souci de l'efficacité et de la cohérence dans l'atteinte des objectifs de performance assignés aux lions indomptables. Point. Après, il revient un point à la ligne. Il revient. Ce faisant... Ouais. Oh, il revient encore. Après avoir dit au demeurant, il vient maintenant encore, point à la ligne. Nouvelle phrase. Au faisant, virgule. Au faisant, virgule, l'État souverain. Donc, on rappelle à Eto'o que l'État est souverain. L'État souverain ayant la pleine compétence pour l'interprétation authentique et l'application de ses propres actes réglementaires. De ses propres actes réglementaires. Et en l'occurrence, pris ses responsabilités en tant que propriétaire des lions indomptables, patrimoine du peuple camerounais, qui entend un nouveau souffle conquérant et un regain de fighting spirit. Je vous ai dit non. Que quand les gars commencent leur phrase par au demeurant, en se faisant, vous avez suivi ça, on rappelle à votre type que l'équipe nationale c'est la propriété exclusive de l'État du Cameroun. Voilà, Momo, le gars ne peut pas comprendre. C'est la propriété de l'État du Cameroun. C'est un patrimoine national. L'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas ta chose, Samuel Eto'o. C'est un patrimoine national. Et à chaque fois, nous, on te rappelait ça ici avec ta façon de faire. On te disait que tu vas te mordre la queue. Et te voilà aujourd'hui, tu es en train de te faire toi-même une sucette. Toi-même, tu es en train de t'auto-sucer. Voilà ça. Et maintenant encore, il met poids à la ligne. Ensuite, une nouvelle phrase. Il dit, pour votre gouverne. Pour votre gouverne. Donc après, avertissement, mise en garde, il te rappelle, pour votre gouverne. Pour votre gouverne. Le fait pour les pouvoirs publics à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique agissant dans le cadre de ses prérogatives de désigner et de rémunérer les membres de l'encadrement des lions indomptables comme cela a toujours été la pratique n'affecte en rien l'autonomie de la FECAFOOT et ne viole aucun des règlements supranominaux. Hein? Supranationaux auxquels vous faites allusion. Au contraire, il en tient parfaitement compte. Les gars, pour vous dire, je vous montre d'abord, parce que je souffre pour lui, donc je vous montre d'abord comment mon poste. Regardez. C'est flou. Parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas, n'est-ce pas, le truc authentique. J'ai d'abord enregistré ça comme ça parce qu'il n'a pas pris le temps d'aller sur la page du ministère des Sports pour prendre le truc là. Donc, j'ai pris ça sur Naya TV. Donc, c'est un peu flou, mais c'est lisible. Donc, on rappelle à Eto'o ici là que monsieur, faites gaffe parce que vous êtes en train d'outrepasser. Vous êtes en train d'outrepasser. Faites gaffe. Donc, voilà comment j'ai dit qu'il y a mon frère cybernétique. On dirait que c'est Tungwa Ekele qui a écrit. Les gars lui disent que au demeurant, ensuite la phrase suivante c'est ce faisant. Et après, pour votre gouverne. Ah, et toi tu es fini mon gars. You don't finish. Et toi, you don't finish. Est-ce que mon frère, est-ce que c'est alors bien? Est-ce que c'est alors bien ce qu'ils sont en train de te faire là? Ne dis pas qu'on ne t'avait pas prévenu. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas prévenu. Et c'est justement ça. Quand dans une société, on veut toujours essayer d'élever
des Vauriens. Parce que quand moi je dis que courir derrière un ballon ne fait pas quelqu'un d'exceptionnel, ne fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel. Par contre, une personne qui trouve la formule d'un médicament ou une formule chimique qui peut aider à fabriquer quelque chose qui va aider la société, ça, c'est logique. Parce que cette personne est importante. Parce que dire qu'un footballeur est un exemple de la société, c'est un peu comme dire qu'un cheval qui court dans le PMU, c'est là aussi un exemple de la société. Hein. Parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Le cheval court vers la ligne d'arrivée pour que celui qui le monte gagne de l'argent. C'est pareil pour le joueur de football. Il court derrière un ballon, il tire dans des filets pour que son président de club gagne de l'argent et après on lui donne un petit salaire, exactement comme on donne la nourriture au cheval et tout ça. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. À quel moment est-ce que quelqu'un qui a passé sa vie à courir derrière un ballon devient un exemple de la société? Tous nos enfants vont maintenant laisser et aller courir derrière le ballon au quartier. Si c'est le cas, je vous invite à mettre tous vos enfants dans le 2-0 en espérant qu'ils deviennent des grands footballeurs demain et arrêter de les envoyer à l'école. Parce que Eto, nous le savons, mais il n'est pas allé à l'école. Il a eu la chance d'avoir un talent, c'est de jouer au football. S'il a gagné sa vie en jouant au football, tant mieux pour lui. Mais il ne peut en rien être un exemple de la société, si bien qu'il est érigé en Dieu. On dit que Eto, c'est un Dieu, c'est une fierté nationale. Une fierté nationale parce qu'il a passé son temps à voyager à gauche, à droite, courir, poursuivre un ballon, bagarrer avec les gens sur un terrain. Vous voyez la société africaine, vous voyez les gens que vous essayez de mettre en avant, alors qu'on a des jeunes Africains qui sont à la NASA, qu'on peut soutenir. Arsène Tema Biwele, un très grand physicien, l'un des meilleurs de sa génération, il est arrivé au Cameroun, vous l'avez soutenu? Non, il a été obligé de vagabonder. Arsène Tema Biwele, qui avait apporté un projet de construction des centrales, ou je ne sais pas, c'était des centrales thermiques, ou c'était de quoi, qui devait donner de l'électricité à tous les foyers au Cameroun. Les Camerounais l'ont soutenu? Les Camerounais l'ont soutenu? Non. Christelle Babette Tionan, qui travaille à la NASA, vous l'avez négligé, la NASA l'a récupéré. Vous négligez les cerveaux des gens qui peuvent apporter quelque chose dans la société, dans le quotidien des Camerounais. Des gens qui peuvent créer des trucs qui vont aider pendant des générations et des générations. Vous négligez ces personnes pour ériger en exemple des personnes qui courent derrière un ballon. Courir derrière un ballon là, ça va apporter quoi à la société? Ça va apporter quoi à la société? Maintenant, je vous mets au défi. Venez me dire en quoi est-ce que Samuel Eto'o peut être un exemple sociétal. En quoi tous ces soutiens-là? Regardez les bêtises qu'il fait depuis, il ne fait que faire les bêtises. Et il vient, il veut manger l'argent du contribuable camerounais et il s'en fout. Parce que si on m'avait dit que Eto'o avait amené un entraîneur qui veut toucher 2 millions et que le ministère des Sports est en train de vouloir imposer un entraîneur qui touche 40 millions, là je vais dire que Eto'o se soucie vraiment de l'argent du contribuable camerounais. Mais non, Eto'o amène un entraîneur qui veut toucher 130 millions par mois parce que lui aussi il a son gombo derrière. C'est lui qui monte, il descend, il part démarcher les entraîneurs. Ce n'est pas son travail. Son travail c'est d'encadrer le football camerounais et de le relever. Ce n'est pas de marcher, aller démarcher les entraîneurs pour l'équipe nationale de football. Le gars fait ça parce qu'il veut avoir sa cote-part. Ce n'est pas grave, le roi David, ce n'est pas grave. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Parce qu'il veut avoir sa cote-part dans les contrats. Il veut se remplir les poches. Oui, même le contrat de Rigobertson, c'est le ministère des Sports qui a signé. C'est ce qu'il ne vous dit pas. Et c'est le ministère des Sports qui a révoqué Rigobertson. Et toi, pas sur France 24, il dit que non, c'est lui qui a refusé de signer un contrat. Toi, tu signes le contrat des entraîneurs et tout. Tu signes le contrat des entraîneurs depuis quand? Hein? Et quand on parle pour le bien de la société, il y a des gens qui viennent nous attaquer. Mes pages Facebook n'ont jamais été autant attaquées quand j'ai exposé l'arnaque de One Sport. C'est à ce moment-là que mes pages Facebook ont été complètement détruites.
C'est-à-dire, les gars se levaient matin, midi, soir. Ils signalaient ma page, ils signalaient mes pages, ils signalaient mes pages. Et comme Facebook est comme celle-là, ils ont bloqué toutes mes pages. J'ai dit, regardez très bien le fonctionnement de mes pages Facebook. Depuis que j'ai commencé à dénoncer l'arnaque derrière One of Sport de Samuel et tout, mes pages Facebook ont subi des attaques incroyables, si bien que mes pages Facebook sont complètement bousillées. J'ai dit, toutes mes pages Facebook sont bousillées. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Plusieurs ont eu ce même problème. Parce qu'on dénonçait l'arnaque derrière One of Sport. Eto va aller en prison. Il va aller en prison. C'est la suite logique de tout ce qui est en train de se passer là. Popol n'aime pas la défiance. Ngongo encore moins. Ngongo encore moins. Il va aller en prison. Et ce n'est pas faute de l'avoir prévenu. Et ceux qui passent le temps à l'encourager dans la bêtise là, j'espère que quand ils vont l'arrêter, ce sera le soulèvement populaire. Ça, j'adore. Quand je pense seulement à l'idée là, que les gars vont arrêter et tout, et que les Camerounais vont sortir dans les rues pour les renverser. Ça, vraiment, j'encourage Eto'o dans sa démarche. Hey. Je l'encourage dans sa démarche. Le live de ce soir, c'était pour décrypter le communiqué du gouvernement. Pour dire à Eto'o que te voilà qui est en train de t'opposer aux décisions de Popol. Alors que l'équipe nationale du Cameroun appartient au peuple camerounais. Et le garant des institutions, c'est Popol. Et Popol prend une décision. Toi, Samuel, et toi, tu viens faire un communiqué en disant que tu t'opposes. On lui a rappelé qu'on n'a pas besoin de son approbation ou de son accord pour mettre à la disposition de l'équipe nationale un encadrement technique. Pas besoin, parce que c'est le gouvernement camerounais qui paye les entraîneurs et tout cet encadrement technique-là. Ce n'est pas la FECAFOOT. Ce n'est pas la FECAFOOT. Et ceci doit vous servir de leçon. Parce que Eto'o croyait qu'il était intouchable de par son statut de grand footballeur. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas être au-dessus de l'État. C'est impossible. Et on lui a rappelé ça dans la lettre là. Avec courtoisie, hein, on lui a rappelé que tu ne peux pas dire que l'État du Cameroun doit être soumis à ta décision. Peut-être vous n'avez pas bien compris, je vous invite encore à aller relire ce document. On lui rappelle que l'État du Cameroun ne saurait être soumis à la décision d'une fédération. On lui rappelle ça parce que c'est ce que lui il a dit. On lui a rappelé ça dans ce document-là. Et maintenant attendons la suite. Et je vous le dis avec certitude, connaissant comment ce gouvernement fonctionne, que Eto'o ira en prison. Et ce ne sera certainement pas maintenant, hein. Parce qu'ils savent que s'ils lui font des problèmes maintenant, avec l'élection présidentielle qui arrive là, ce sera un peu compliqué. Par contre, si jamais, et je le dis ici, comprenez bien, si jamais le régime Biya passe, Eto'o, il sera la première victime. Il sera la première victime. C'est ça, Sylviane, Eto'o est étonné. Il sera la première victime. Donc, ils vont l'utiliser pour la campagne électorale qui arrive. Et si les gars passent, Eto'o va être foutu en prison. Donc, il ferait mieux de nous aider à faire tomber ce système s'il ne veut pas aller en prison. Parce que c'est ce qui va lui arriver. Envoyez-lui encore cette vidéo. Ce qui va lui arriver, c'est que le gars va aller en prison. Je vous le dis. Comme j'avais fait ma vidéo ici en 2021, j'avais dit qu'il va être dans les problèmes avec le système-là, qu'il va être dans des sérieux problèmes. Vous êtes venu m'insulter, parler, raconter comme d'habitude, mais je n'en ai cure. Oui, je parle aussi parfois français, je n'en ai cure. Et donc aujourd'hui, voilà exactement ce que j'avais expliqué dans ma vidéo, qui a fait plusieurs millions de vues, je vous rappelle, et sur plusieurs plateformes, qui a été diffusée sur des plateformes YouTube partout. Plusieurs millions de vues. Lui-même et toi, vu, je vous dis, et il a envoyé quelqu'un me dire que, mais qu'est-ce que je lui veux, machin, patati, patata. Il lui a dit que mon gars, là où tu es en train de partir là, tu vas tomber, tu vas glisser, tu vas tomber très mal. Il n'a pas cru. Le voilà en plein dedans. En plein dedans. Et la suite logique, c'est ça.
Popol n'aime pas la défiance. C'est-à-dire que les Ngongo, les Machantou, tout ça, c'est le même gang. Il n'aime pas la défiance. Il n'aime pas la défiance. L'entraîneur Marc Brice Machin, truc là, dans le contrat de l'entraîneur là, Mouele Kombi a son gombo dedans. Ferdinand Ngongo a son gombo dedans. Et peut-être même plusieurs personnes de la présence ont leur gombo dedans. Et les gars vont descendre, ils vont Shiba et tout. Ils vont le Shiba propre. Déjà qu'on a nommé d'abord tous ses adversaires dans le staff technique des Lions Indomptables, mon frère. Les Benjamin Banlock, les Oman Biik, tous ses adversaires, on les a mis. Dans la gestion des stades, on a mis Joseph-Antoine Bell. Les gens à qui Eto'o ne peut même pas parler. Donc, dans ce qui concerne le football et qui regarde l'état du Cameroun, on a mis des gens à qui Eto'o ne peut pas parler. Des gens qui sont farouchement opposés à la façon dont Eto'o fonctionne. Ça ne vous dit rien. Benjamin Banlock, là, Eto'o a fait que le gars fuit pas se cacher en exil en Côte d'Ivoire, mon frère. Pour rien. Eto'o lui a dit que je vais te montrer. On l'a d'abord arrêté. Après, quand il est sorti, on voulait encore l'arrêter. Le gars a d'abord fui. Il est parti se cacher en Côte d'Ivoire. Le voilà qu'on part prendre, on vient mettre dans l'encadrement technique des Lions Indomptables. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Et les problèmes d'Eto'o ont commencé à la CAN qui s'est jouée au Cameroun. C'est là-bas que ces problèmes ont commencé. Même la remise des médailles n'était pas à côté. C'est là-bas que ces problèmes ont commencé. Et depuis qu'il est à la FECAFOOT, le gars fout le bordel. Le bordel. Si tu ne marches pas comme il veut, le gars te met de côté. Comment est-ce qu'il ne va pas se créer des ennemis? Et Eto'o, Ernest Obama que tu as mis à côté de toi là, n'est-ce pas? Ernest Obama, c'est un peu comme la chaise épineuse. Allez fouiller, allez regarder les faits et gestes d'Ernest Obama et vous allez venir me donner raison. Je n'en dis pas plus. Donc tout ce que tu fais là, j'ai dit au moindre geste, tout ce que tu fais là-bas à la FECAFOOT là, c'est su, longtemps à l'avance. Donc là où tu crois que tu es caché là, c'est là-bas que les gens là dorment. Et tu es dans un pays là où les agents secrets là sont très forts quand ils veulent s'occuper des opposants à Popol. Oui. Et il n'y aura nulle part où tu pourras te cacher. Ils vont te pêcher. Ils ne vont pas te pêcher maintenant si. Hein. Ça, je peux te garantir qu'ils ne vont pas te pêcher maintenant si. Parce que s'ils te pêchent maintenant, ce sera compliqué pour la campagne présidentielle à venir. Donc les gars attendent. Et c'est toujours comme ça que Popol fonctionne. Les gars attendent. Et dès que la campagne présidentielle va passer, que Popol fait sa fraude et tout, et tout, et tout, il passe là. Il est garanti que c'est bon. Bang! Les gars vont te racler. Ils vont d'abord dissoudre la FECAFOOT, remettre encore un comité de normalisation. Et après là, maintenant, là, tu seras zéro, tu ne seras plus rien. Les gars vont te pêcher, non? Et même en tant que, étant à la tête de la FECAFOOT, ils vont te pêcher. Et c'est exactement ce que tu as fait à Iya Mohamed. On connaît toute l'histoire. Iya Mohamed, l'ancien président de la FECAFOOT, tu as manigancé avec tes amis du gouvernement pour l'arrêter, l'enfermer. Depuis, il est en prison jusqu'aujourd'hui. C'est exactement le même schéma qui va t'arriver, mon gars. Donc, si tu es intelligent même, mon frère, tu sais ce qui te reste à faire. Aide-nous à faire tomber le régime, si vous. Aide-nous à faire tomber ce régime. Sinon, tu seras dans l'undem. Parce que nous, là, nous sommes prêts à te pardonner. Nous sommes prêts à te pardonner. Aide le peuple camerounais à se débarrasser de ce régime, gars. C'est la seule chose qui te reste à faire. Donc, les gars, moi, j'ai fini. Hein. Moi, j'ai fini. Soutenez Samuel Eto'o. Soutenez-le. Il défie Popol. Comme ça, quand on va le foutre en prison, le peuple va sortir dans les rues et on aura gagné. Non? Vous ignorez quoi. Et c'est ça le pire. Le gars de... Oh, sorry for you. Bon, les gars, voilà. Mon décryptage est fini. Je vous ai expliqué ici, donc, par A plus B, que dans le schéma, si c'est moi, le combi qui a raison. Le régime de Popol est comme ça. Hein. Les gars sont forts pour utiliser les arguments de droit. Hein. Les gars sont très forts. Quand tu vas dîner sur la table du diable, sache que si la nourriture finit et que le diable a encore faim, tu vas lui servir de dessert. C'est tout.
Et oui, tu vas lui servir de dessert. C'est comme ça que ça marche. Même si tu as une longue fourchette, le diable ne va pas te louper. Si Popol a pu mettre Charles Metouk en prison, Charles Metouk, je crois Charles Metouk, c'est un de ses frères, il l'a mis en prison. Popol a mis Mendoza en prison. Mendoza n'a jamais volé l'argent, mais on a dit que Mendoza a volé l'argent. Mendoza a prouvé par A plus B qu'il n'a jamais volé l'argent, on a mis Mendoza en prison. Parce que Marchantou était fâché de Mendoza, on a mis Mendoza en prison, il est mort en prison. On a mis Marafa Amidou Yaya en prison parce qu'on croyait qu'il voulait devenir président de la République. On a mis, Popol a mis Mbengo en prison, pas parce que Mbengo volait l'argent, mais c'est parce que Mbengo avait des ambitions présidentielles. Et Mbengo et Popol étaient très proches, très proches. Toi, tu n'es pas proche de Popol. Mbengo était très proche de Popol. Ce n'est pas parce que Mbengo volait l'argent qu'on l'a mis en prison. Non, c'est parce que le gars, il voulait empiéter sur les intérêts de Popol. Parce que si on veut mettre toutes les personnes qui ont volé l'argent en prison, ce que Femme Dongo fait quoi dehors? Femme Dongo fait quoi dehors? Ce que même Gongola fait quoi dehors? Non, ce n'est pas ça. Même à Tanganamebara, tous ces gens que vous citez là, ce n'est pas parce qu'ils ont volé l'argent qu'on les a mis en prison. Et ces gens étaient très proches de Popol, plus que toi. Toi, tu n'es même pas proche de Popol. Tu n'es qu'un sous-fifre qu'il utilise pour ses intérêts politiques. Tu n'es rien devant lui. Donc, il faut arrêter de dire, Popol, c'est mon père. Chantou, c'est ma mère. Si tu mets le black sur ta tête, c'est bien parce que tu sais très bien que tu as plus de 50 ans. Et donc, Chantou, c'est ton égal. Chantou, c'est ton égal. Ce n'est pas ta mère. Chantou, c'est ma mère. Tu arrête de mettre le black sur ta tête. Les gens vont bien voir. Moi, je n'ai pas encore 40 ans. J'ai les cheveux blancs. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont les cheveux blancs de nature et tout. Mais moi, mes cheveux blancs, c'est la vieillesse. Toi, tu as donné ton âge du football alors que avec un de mes grands frères, tu étais à l'école. Et tu étais son grand frère. Et mon grand frère a plus de 50 ans. Toi, tu étais son grand frère. Tonga, la comédienne, tu étais son grand frère à l'école. Et elle, elle a déjà 5 ans ou c'est 51 ans, je ne sais plus. Mais tu as venu dire aux gens que tu as 40 ou c'est 44 ans, c'est 40 combien? C'est ça qu'on dit souvent que les gens, tellement ils se mentent à eux-mêmes, qu'ils se convainquent de leur propre mensonge. Après un vieux père comme toi, tu es l'aîné de machin, tout, tu viens l'appeler... Tu viens l'appeler machin, tu viens l'appeler la mère, ma mère, c'est ma mère. Les gars, bon, ça, c'était le dernier commentaire. Non, je ne peux pas prendre les invitations aujourd'hui, les gars. C'était juste pour le décryptage et pour vous expliquer que chacun comprenne que la dictature n'a pas d'amis. Une dictature n'a que des intérêts, rien que et rien que des intérêts. La dictature n'a pas d'amis. Donc, tous ceux qui pensent que le régime Biya, c'est leur ami là, tôt ou tard, vous allez tomber. Regarde comment les gars ont déjà mis en place le rouleau compresseur autour de Samuel Eto'o. Ils sont en train de le broyer. Et la finalité, c'est que le gars va se retrouver à Konengi. Vous allez voir. Dites-vous, le 5 mars 2024, Max a dit, je ne suis pas sorcier. C'est juste que je connais le fonctionnement du régime de Popol. Sur ce, les gars, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai. Très certainement.